Alors, que se passe-t-il quand une rosta célèbre à travers le monde va à l'inverse de la doxa et fait tout pour faire entendre sa parole et de plus en plus critique envers le système? Alors, on a plusieurs choses, on a plusieurs solutions pour faire taire, notamment le regretté DMX, décédé, il me semble, l'année dernière. Lui est parti par la case prison. On lui a dit, toi, Coco, on va te faire comprendre qui c'est qui a les rênes. Boum, casse prison. On l'a fait passer pour un fou absolu, qui avait besoin de cacheton, qui avait besoin d'être contrôlé, qui avait besoin d'être surveillé et qui avait besoin d'être enfermé. On a aussi eu le cas Michael Jackson. Michael Jackson, ils te l'ont pourri à l'extrême. Ils lui ont jeté des tomates, des œufs, des aubergines, tout y est passé, jusqu'à lui faire passer pour un tout 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 tout. Vous savez très bien quoi. Et c'est une fois qu'il est mort qu'une des victimes qui avait déposé plainte contre lui a dit: je regrette ce que j'ai fait. Il était en pleurs. Mais trop tard, le mal est fait, la personne est partie et toute vérité est bonne à dire et tôt ou tard, elle sera dite. T'auras beau le cacher dans une boîte avec un coffre à 8 chiffres, impossible à ouvrir, tôt ou tard, on va le déterrer ton secret. Et tôt ou tard, plus longtemps tu le garderas, et plus longtemps il va faire mal quand tu vas sortir. Et tu risques des causes encore plus graves. C'est pour ça que quand vous faites quelque chose de mal, et que vous avez gardé un secret difficile à dire, n'attendez pas. Chaque année que vous attendez, vous multipliez par 10 les causes de la gravité de ce secret. Alors, notre cher Kanye West, il arrive un petit peu comme ses prédécesseurs, qui s'est passé avec Kenny, avec DMX, Michael Jackson, et plein d'autres, des gens moins connus, plus connus, dans la moyenne gamme. Tôt ou tard, c'est le prix à payer quand tu te rebelles contre le système.